lui parler de la merde. Mais vous êtes qui vous? Bah je suis exactement le même gars que toi, un espèce de gros débile qui se trouve en plein milieu d'un champ de bataille. On va crever si on fait rien, bordel. Alors, j'ai une proposition à te faire. On s'associe, on tue tout le monde et on se retrouve. Ça va? Ok, marché conclu. À 3, 1, 2, on y va. Ok, ça marche. Et voilà, t'as un requête. Disons que j'adore les effets de surprise. Ah. Attention, baisse-toi. Hasta la vista, les brombies. Ok, mec, baisse-toi. Attends, hein. Et voilà. Ouais, mec, t'as trop assuré. Ouais, c'était facile. Bon, bah, il reste plus que nous deux. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ben rien. Ah ouais, tu crois que je te vois pas là? Mais c'est toi qui muse. Attends, c'est toi qui a commencé, mec. Mais non, et en plus c'est pas juste parce que t'as un plus gros calibre que moi. Et je te parle pas de ta bite parce que sinon c'est moi qui ai un plus gros calibre. Mais mec, de quoi tu parles? T'es en train de me viser et tu me parles de top. T'es sérieux ou quoi? Je sais pas moi. Je sais pas. Et en plus le but c'est de finir top 1, pas top 2, on est pas un duo. Attends, de quoi tu parles, mec? T'as pété un câble, mais t'es dans quel monde? Non, c'est toi qui as pété un câble. Non, c'est toi, calme-toi. Quoi, moi, calme-moi. Toi, calme-toi. Toi, calme-toi. T'es sérieux, mec, calme-toi, toi. Fortnite est un jeu en ligne développé par Epic Games, sorti le 21 juillet 2017. Et depuis, c'est devenu un phénomène mondial, tel une pandémie. Car le but du jeu est plutôt simple. Ok mec, c'est quoi les règles? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors les règles, c'est super simple, car il suffit de tuer tout le monde pour finir top 1. Top 1. Il suffit de tuer tout le monde pour finir top 1. Ouais, je crois que j'ai compris. Tout ce qu'il faut faire, c'est... finir top 1. Top 1. Faut vraiment que je prenne mes médocs. Moi, j'aimerais bien finir top 1, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je tuerai toute ta famille, tes amis et toi. Comme ça, je serai le top 1 de ta chaîne YouTube de merde. Et c'est pour cela que je te détiens dans une Pokéball tel un Pokémon, car tu es dangereux, un vrai psychopathe et je t'emmerde. Donc, avant de débuter le combat, on se retrouve dans un bus volant avec d'autres joueurs qui apparemment font la fête à l'intérieur. Ensuite, il faut sauter du bus pour atterrir sur une île afin d'y trouver les meilleures armes du jeu pour ensuite s'entretuer. Alors, en gros, ça veut dire que dès que t'es dans le bus, ça se passe comme ça. Grosse soirée! Wouhou! Oh papa! T'es mon pote, frère! Ah, moi aussi, t'es mort! Et une fois en dehors du bus, c'est comme ça. Je te déteste, enfoiré! Fils de pute! Et voilà, le concept du bus volant, bah je trouve sympa, c'est juste que. Faut pas avoir le vertige. Bon, tu sautes! Mec, c'est vraiment. Je le sens vraiment pas! Eh non, t'inquiète! T'étais au courant qu'il avait pas de parachute celui-là? Bah ouais. Il a laissé son chapeau, hein. Tu veux? Bah non. Ok. Oh, on va aller se boire une bière. Dans Fortnite, le système de combat est un jeu de tir à la troisième personne. Et bien sûr, comme dans tous les jeux, t'as plusieurs types de joueurs. T'as les personnes qui jouent normalement. Ensuite, il y a les joueurs qu'on surnomme les Bambis. Car ils n'arrêtent pas de sauter partout afin d'éviter les balles. Tu m'auras pas. Pas vrai, mais est-ce qu'il va arrêter de bouger, putain? Oh, raté! Merde! Putain de Bambi de merde! Et t'as les mecs qui passent leur temps à camper. Ouais, ben on est bien là. Hein? J'ai une vue sur tout l'ensemble du périmètre, la zone de combat, puis j'ai plus qu'à attendre qu'il y en a un qui se pointe, et puis j'ai plus qu'à lui mettre une balle en plein dans les yeux, quoi. Ah bah, y'a plus qu'à attendre, hein. Allez, j'aurais peut-être dû penser à prendre un petit pique-nique, hein, pour patienter, mais bon. Bah, maintenant que je suis là, je pars descendre, hein. C'était les aventures de Jean-Michel Campeur. Jean-Michel Campeur. Bien. Donc, comme vous l'avez compris, le but du jeu, c'est de finir... Top 69. Oh là là, il m'exaspère. Afin de pimenter tout cela, nous avons une zone de jeu qui, au cours de la partie, rétrécit. Ce qui veut dire que si tu te trouves en dehors de la zone du jeu, bah tu perds de la vie. Et si tu ne reviens pas très vite, bah tu meurs, quoi. Putain, je sais pas ce que j'ai, mais je crois que j'ai la nausée. Je me sens pas bien non plus. Et puis, d'ailleurs, tu trouves pas qu'il fait un drôle de temps? Et maintenant, parlons de la gravité du jeu. Newton et sa gravité, on les emmerde. Mec, je t'ai déjà dit, ne t'appuie pas sur ce poteau. Et pourquoi? Parce que c'est le seul truc qui reste pour tenir cette baraque. Ah mais t'inquiète, c'est du solide. Tu me dois une maison.
Je suis sûr que tu peux faire quelque chose des barrières. Tu me dois une maison et des toilettes. Parce que j'ai vraiment envie de chier, là. Enfin bref, sinon Jean-Michel, à part ça, il devient quoi? Ouais, j'aurais vraiment dû prendre un pique-nique, en fait. C'était encore les aventures de Jean-Michel Campeur. Encore les aventures de Jean-Michel Campeur. Ça commence à faire long, hein. Enfin voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis fait chier. Ferme ta gueule, ferme bien ta gueule, ferme-la. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça me fait remonter dans les recommandations, donc n'hésitez pas, soyez généreux. Allez, on like, on like, on like, on like. Oh le fils de pute! Oh le fils de pute, il a dit ça avec la vidéo. N'oublie pas également de partager la vidéo, et si t'as déjà joué à Fortnite et que tu as déjà fait top 1, eh ben je t'emmerde.